Nestor Tambamara, je suis de la Guinée. Je suis là en séjour de formation. La formation qu'on vient de suivre est extrêmement importante à partir du moment où la science ouverte est en quelque sorte une diversification, une pluralisation des connaissances et qui permettent au peuple du monde entier, n'est-ce pas, d'avoir accès à ce que produisent les autres dans le monde entier. C'est un échange excellent qui, on ne peut plus, est franchement apprécié par nous. Donc, on remercie beaucoup les formateurs qui nous ont ouvert cette information. Mais ce qu'il faut, comme ce que les collègues ont dit, il y a des obstacles. Des obstacles, c'est notamment l'accès à l'Internet, l'accès facile. Mais aussi, il y a quelques obstacles liés, par exemple, à la formation. Certains aimeraient bien participer avec, en tout cas, toute l'ardeur qu'il faut, penser que ils sont limités dans la maîtrise des outils, de l'outil informatique. Donc en fait, il faut une formation à la base. Il faut aussi choisir des gens qui peuvent vraiment valablement participer. Donc il faut aussi dire aux gens de faire en sorte qu'ils impliquent beaucoup de personnes. Pour que ces gens-là puissent activement participer à distance dans la mobilisation des informations, notamment locales, pour leur mise à disposition au niveau, n'est-ce pas, des autres, à partir de la toile. Et qu'est-ce que tu souhaiterais pour continuer ton apprentissage de la science ouverte? Bon, pour continuer mon apprentissage, je souhaite qu'il y ait d'autres formations, notamment d'autres formations de ce genre, et qu'il y ait surtout dans mon pays, n'est-ce pas, une équipe qui puisse franchement aller former des gens comme ça. Et je souhaite aussi le maintien constant des relations avec les formateurs ou les initiateurs, les promoteurs, pour que franchement, je puisse être constamment dans le cadre de cette formation. Et donc la science ouverte est un outil de développement pour ton pays? Absolument, c'est un outil de développement. Pourquoi? Parce que elle permet, n'est-ce pas, un échange très bénéfique, parce qu'elle permet d'avoir accès aux autres connaissances et permet aussi à nous autres de fournir nos modestes contributions aux autres. Donc, c'est en cela que c'est très important pour nous. Merci beaucoup. Merci.